Disponible depuis avril 2009, Flight Control est l'un des premiers succès de l'App Store, et ce grâce à son pouvoir addictif. Et voilà qu'après 3 ans de silence, une suite arrive enfin sur les plateformes iOS. Baptisé Flight Control Rocket, ce titre plonge désormais le joueur aux commandes de 15 vaisseaux spatiaux aux caractéristiques différentes. Pêle-mêle, certains se divisent en deux, d'autres forment de longues chaînes de vaisseaux sans oublier les rampes de lancement mobiles et autres satellites. Des nouveautés particulièrement bien senties qui soufflent un vent de fraîcheur sur le gameplay. À côté de ça, le titre de Firemind arbore un nouveau design. Beaucoup plus orienté cartoon, ce dernier tranche résolument avec l'opus précédent et pourrait bien diviser les joueurs par son apparence de mini-jeu en flash. Mais la véritable nouveauté de ce titre, c'est son système de collecte de pièces. Pour les récupérer, on peut soit taper sur celles qui apparaissent à l'écran, soit procéder à l'atterrissage des vaisseaux auxquels elles sont attachées. Au final, cette bonne idée est un ajout captivant à la simple chasse au score. Mais malgré toutes ces bonnes idées, on s'aperçoit que le rythme est un peu plus lent et que les prix d'achat des robots vous offrant divers bonus sont fixés à des prix trop élevés. Au bout du compte, Flight Control Rocket s'installe comme un indispensable de l'App Store. Accessible, efficace et détenant de nombreuses bonnes idées, ce titre va plaire sans nul doute aux amateurs du premier volet. Et c'est tout ce qui compte.